Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de gainage. Nous verrons deux exercices qui permettent de renforcer sa sangle abdominale et également son dos en profondeur. Ils sont très importants puisqu'ils permettent de maintenir et de protéger la colonne vertébrale. Vous aurez besoin d'un tapis et d'un petit peu de place dans votre salon ou dans votre chambre. Un rappel simplement pour vous mettre sur votre tapis. Vous pouvez adopter la position du chevalier servant pour se mettre à genoux. Donc le premier exercice, c'est la planche bras tendu. On démarre à quatre pattes, les épaules qui sont en dessous des mains. Vous pouvez tendre une jambe, puis l'autre. Toujours le regard entre les mains. Je contracte au niveau des fessiers. Et je rentre le ventre, je serre les abdos. On va maintenir cette position une vingtaine de secondes. Et on relâche. Donc voici le premier exercice. Le deuxième exercice, il se passe sur le dos. Vous vous mettez sur le dos, les pieds à plat, les bras à plat, le long du corps. Et nous allons devoir pousser sur les jambes pour lever le bassin et les fesses. On maintient la position 2 secondes et on relâche. Et on va essayer de faire une dizaine de répétitions. J'inspire à la montée et j'expire à la descente. Je rappelle, j'inspire avec le nez et on expire avec la bouche. Si vous voulez compliquer un peu l'exercice, vous pouvez tenir un peu plus longtemps, 5 ou 10 secondes, et relâcher. Mais toujours continuer les 10 répétitions. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez basculer sur un côté, vous remettre en position 4 pattes, puis enchever les servants, et enfin vous remettre debout. Nous avons vu donc deux exercices de gainage. Le premier qui est la planche bras tendu, où on va maintenir la position entre 20 et 60 secondes, et vous répéterez l'exercice 3 fois. Ensuite, l'exercice du pont, où vous êtes allongé sur le dos. Vous faites une dizaine de répétitions et pareil, vous répétez l'exercice 3 fois. Si c'est trop facile, vous pouvez maintenir la position haute au-delà de 2 secondes, donc par exemple 5 secondes. J'espère que la vidéo vous a plu. On reverra d'autres exercices dans quelques temps. N'hésitez pas à lire mon article sur le gainage qui se trouve sur le blog d'Éternien. D'ici là, gardez la forme. On se retrouve très vite. À bientôt.